Nous sommes en direct à Angoulême avec un grand dessinateur, Monsieur Thierry Cazan. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Excellent ces micros, on dirait les petits bâtons de l'église, vous savez. Oui, presque. Hein? Ah, c'est dommage. Est-ce que Thierry est aussi gourmand que Benzi? Oh, malheureusement. Puis surtout, dans votre pays, la Suisse, il y a du chocolat, il y a de la bonne fondue. Oh là là. Alors, justement, avec la sortie de la BD Benzi, qu'on attendait avec impatience, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur la Suisse? Alors, eh ben oui, il y a quelque chose de prévu à partir du 12 avril. C'est le château à Saint-Maurice, au Valais, qui va faire une expo Benzi et qui durera jusqu'en octobre. Ah, oui. C'est un gros truc. Absolument, et j'ai entendu parler, ils vont faire une espèce de. Ils vont construire le bateau de Pezzi, le mari, et ça va être un truc assez gigantesque. Ouais, absolument. Comment c'est le faire en Suisse, ou bien. Ouais, oui, avec l'accueil, j'espère que ça va vous plaire. Donc la présence sera sur le stand, ce sera souvent présent pour les dédicaces. Bah non, pas l'expo, l'expo c'est qu'une expo. L'expo, voilà. Voilà, donc l'expo va durer jusqu'en octobre, mais par contre, en novembre, tout début novembre, le 3-4 novembre, je serai au festival de Belfaux, voilà, à côté de Fribourg, BD Mania. Maintenant, attention, maintenant ça s'appelle Belfaux uniquement. Avant ça s'appelait Courmain un peu de Belfaux, maintenant c'est Belfaux. Est-ce qu'il y aura des crêpes au vernissage? Ah, alors ça, je sais pas, on n'a pas encore pour l'expo, hein, tu parles de l'expo. Oui, oui, l'expo. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura des crêpes? Je sais pas, j'espère. Ah oui. Ah. Après le chocolat de Pâques. Oui, à manger sur le mari là. Hein. Oui, oui. Ah. Et je vois que tu as une jolie petite peluche. Ah oui, ça c'est. Alors la peluche, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial parce qu'en fait, les droits ont été aussi vendus au Japon. Donc apparemment, Pezzi est aussi connu au Japon. Et les Japonais, ils adorent faire des tas de petites peluches comme ça, des tas de petits trucs. Donc ce qui se passe, c'est que quand ils en ont fait plein, ils en envoient quelques-unes à l'éditeur. Puis moi, j'essaie de récupérer pour donner aux enfants dans les festivals ou pour à chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive avec ses grands yeux, il te regarde comme ça, puis il dit « Moi, il aime bien Pizzi !» Alors bon, tu peux pas faire autre chose que lui faire la peluche, quoi. Un grand cœur. En tout cas, merci beaucoup. Ben, c'est moi, merci. Hein. Et à tout bientôt, mois d'avril. Le mois d'avril, hein. Bonjour à la Suisse. Hein. Merci. Ou bien.